Coucou mes choubidous, c'est tout moi, j'ai filmé, j'ai mis photo et j'ai pas filmé. Voilà, c'est tout moi, dommage, vous auriez vu Heidi. Elle a chaud, hein. Voilà, elle a chaud elle aussi. Mais j'ai ouvert toutes les fenêtres, donc il faut que je fasse très très attention parce que mon bébé dormait. Voilà, reste là. Donc je reviens aujourd'hui, c'est une grosse canicule, enfin il fait très chaud, j'ai encore les cheveux tout mouillés malgré que il fait combien, je ne sais pas, mais c'est vraiment difficile. Alors, je suis revenue de course. Tout d'abord, j'ai acheté ce papier toilette parce que ce papier toilette, c'est pour mes fesses. Et oui, je ne peux mettre que du doux et du moltonné parce que sinon, c'est une catastrophe chez moi. Les papiers, malheureusement, les papiers premier prix, je ne les supporte pas. Mais quand je vous dis que je ne les supporte pas, c'est catastrophique. Hein. Donc, il n'y a que celui-là que je supporte et le trèfle. Voilà, il faut qu'il soit triple épaisseur. Là, je ne sais pas, celui-là, on verra bien. Celui-là, je ne connais pas parce que moi, je prends le trèfle. On verra. J'ai acheté ces petits sandwichs. Vous savez quoi? Je vais baisser le son. J'ai mis le son, mais je vais le baisser. Voilà, je vais même l'enlever. Mais on entend le ventilo, alors. Mais je ne peux pas faire autrement. Le ventilo, je suis obligée de le mettre. C'est la gagaille et la gueule. Il faut savoir que tous les matins à 5h, je me lève et que je fais tout ce qu'il faut pour aérer. Non pas pour moi, mais pour Ivy. Voilà, je fais ça pour ma fille parce que c'est important. Comme je vous ai dit l'autre fois. Et là, j'ai trouvé une petite astuce, un petit truc super sympa. Comme d'hab, hein, vous connaissez, hein, j'ai acheté ces petites attaches-là. Et des petits rideaux en dépannage vite fait à la One Again que j'avais acheté à Action. En fait, c'est un rideau, mais moi, j'ai pris le rideau et comme ma fenêtre, elle fait la largeur du rideau, eh bien, je l'ai mis tout le long. Et du coup, bah, je ne peux pas le mettre comme ça, ce n'est pas possible. Enlever la tringle, c'est trop compliqué. Du coup, j'ai fait autre chose. J'ai fait ceci. Alors, il faut savoir que les rideaux, j'ai des rideaux rouges. Donc, c'est pour ça. Voilà. Et je fais ça, comme ceci. Ça, vous l'accrochez au rideau, comme ceci, là. Et là, vous mettez... Voilà, vous faites comme ça. Vous accrochez au rideau, ici. Et là, vous accrochez sur la tringle. Et je vous dis que ça, un dépannage, c'est top. Voilà. Mais ça, c'est mes astuces. Tout le temps, je suis comme ça. Enfin, c'est mon fils qui m'a donné l'idée. Parce que moi, j'avais une idée, mais je lui dis, oui, mais Yannick, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Il dit, mais maman, t'as pas des trucs de rideau? Ah, ben oui, le top du top, quoi. Donc, voilà. Sur ce, on commence. Alors, j'ai acheté ceci. Pareil, à Auchan, chez moi, j'en ai un peu ras-le-bol. Parce que, en fait, ça valait 1,38. Et il y avait un gars qui était à côté de moi. Il me fait, ah oui, c'est 1,38. Je dis, ouais, mais il me comptait 1,98 le sandwich. Donc, ça va pas le faire. Donc, je suis encore retournée là-bas et j'ai encore été me faire rembourser. Parce qu'hier, ils ont oublié de me rembourser 3,95. Si on ne fait pas attention, là, j'ai vu la une des responsables. Elle m'a dit, vous avez bien fait, madame. La chieuse, c'est moi. La chieuse, c'est moi. Bridé light, bah, parce que voilà, pour l'instant, je ne vous cache pas que l'équilibrage alimentaire, c'est que des salades. Et des salades, comment dire, toutes faites, parce que je n'ai pas le temps. Non, parce que je n'ai pas envie d'aller dans ma cuisine. Des petits pains à la crème, vous vous rappelez, 1 €. Du persil, parce que franchement, la ciboulette, ils abusent, 1,95. Alors du coup, le persil, 1,15, il est magnifique. Il va avec moi, il va avec mon entourage, il va avec chez moi. Ah, oh, c'est joli, hein, du persil. Ah ouais, ça fait joli comme tout, regardez. Bon, bref, faut m'en folle, 1,15 €. J'ai pris, parce que j'ai un invité à la maison, mais il ne mange pas trop d'œufs, il mange plutôt du fromage. Devinez qui c'est. Voilà, il arrive demain. Donc j'ai pris des petits croissants, 1 €. Voilà, et je me repose. Parce que ce matin, j'ai aussi une émotion importante. SFR, je regarde jamais, on papote en même temps, hein. Je regarde jamais, comment dire, SFR, mes factures. Vous avez reçu votre facture, tiens, je vais regarder, 489 €. Alors je les appelle, je dis, mais vous rigolez ou quoi? C'est quoi ce délire et tout? Et puis j'ai vu qu'il y a, bon, j'en avais rien à faire. Je me suis dit, si je pleure, je vais avoir quelque chose. Mais en fait, j'ai pleuré naturellement tellement ça m'a fait mal. Et je leur ai dit, vous allez avoir un mort sur votre conscience, je vous le dis. Hein. Vous vous rendez compte, 489 €, c'est n'importe quoi. Hein. Et du coup, j'ai eu en urgence, j'ai eu quelqu'un et ils m'ont dépanné. Et ils m'ont dit, vous inquiétez pas, faites opposition. C'est une erreur, on vous a résilié. Mais je ne suis pas résiliée. Ils me disent, oui, voilà, c'est une grosse erreur. Vous n'êtes pas la seule. Bah, je lui dis, heureusement, je regarde mon compte, je fais, oh, ça va, mon compte, ça me fait plaisir quand même. Puis je dis, écoutez, les 489, vous me dites, oui, il n'y a aucun souci. Ils ne vont même pas les débiter, quoi, puisque j'ai fait opposition. Mais vous vous rendez compte, hein, franchement, j'en étais malade, quoi.
Alors, donc du coup, j'en ai pris deux et ils m'ont remboursé 1 euro et des bananes parce que c'était 1,38 au lieu de 1,86. Il y en a marre, hein, 1,98, ils exagèrent. Ça, bah, alors ça, je suis une adepte. Ce débo, si vous voulez, hein, je peux faire un partenariat, je les mange tous, hein, je vous jure. Hein. J'en mange tous les jours. Depuis qu'il y a la canicule, c'est ma nourriture. Voilà. Honnêtement, c'est ma nourriture. Je ne mange que ça. Il y a d'autres variétés, mais c'est celle-là pour l'instant que je mange. Et elle est super bonne. Je vous la recommande à 1000%. Ça coûte 5 euros, c'est sûr. Mais vous n'avez rien à faire quand il fait chaud. Moi, je suis toute seule. Hein, alors, Sodebo, salade bol, vous avez du poulet, mousse à l'avocat, chou rouge à l'orange, maïs. Vous avez plein de choses dedans, des haricots rouges. C'est une pure tuerie. En plus, vous avez le saladier. Je vais les collectionner. Hein. Je vous assure, je vais les collectionner. J'en ai au moins 6. Du gruyère râpé. Alors, moi, je ne mange pas de gruyère râpé, mais je sais qu'Alain mange du gruyère. Ah, je l'ai dit qu'il s'était, tant pis. Il mange du gruyère râpé, donc il y en a pour 1,50. J'ai pris un fenouil et un champignon. J'en ai marre de gaspiller, puis il faut savoir que samedi, il y a mon frigo qui arrive. Donc, faut vraiment que tout soit à manger avant samedi. Donc, je fais des toutes petites courses. Un champignon, j'ai payé 26 centimes. Je le mets en salade avec du fenouil, 25 centimes, 75 centimes le fenouil. Voilà, je vais faire une petite salade avec de la tomate, avec des avocats. Ah oui, regardez, j'ai trouvé ça en chemin. Je trouvais ça trop mignon. Je me suis dit, tiens, je vais les mettre dans l'eau. Ceci, parce que ma fille ne mange plus rien, Evie, elle a trop chaud. Mais l'autre fois, à 3h du matin, elle a fait la folle, hein, alors que c'était la canicule. Hein, j'ai adoré. Hein. Moi, j'ai pas dormi. Elle faisait la folle. Mais bon, je m'en occupe bien. Je vous assure que je m'en occupe bien. Un concombre, par contre, je sais pas le prix. 1 euro, je crois, même pas. 95 centimes. Ah, enfin. Dites-moi si c'est bien celui-là, le vinaigre blanc d'alcool. C'est avec ça que je vais faire le ménage. Mais il n'en existe pas sans odeur. Voilà, parce que le vinaigre, ça pue. Mais je vais nettoyer qu'avec ça maintenant. Je vous dis, c'est par rapport à Ivy, j'ai tout pour mon chat, moi. Du pain aux céréales, 1 euro, tranché. Je pioche parce que je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. C'est quoi ça? Oh, mon Dieu. La mâche, 1 euro. Regardez le truc destroy. 1 euro, elle venait d'arriver en plus, la mâche. Alors ça, j'adore. 1,25€ les babas au rhum. J'espère qu'il va aimer. Moi, j'adore, j'en mangerai, mais vraiment des tonnes et des tonnes. J'adore ça. Il n'y a pas de rhum dedans, ou très peu, mais c'est très bon. C'est très frais, c'est très bon. Et 1,25€ les deux desserts, franchement, allons-y. Hein. Du... Pardon. Ah, oh, mince, attendez. Du gorgonzola. J'ai payé 2€. 15, franchement, rien à dire. Il est très bon. Il est très, très bon. Et j'ai pris, parce que lui, il mange des trucs comme ça, du bleu d'Auvergne, 1,30€. Des épinges. Ah, avec l'accent, des éponges. J'ai pris des éponges. Mais je vais faire l'accent de je ne sais pas quoi. C'est un accent à la Sibylle, parce que je ne connais pas cet accent. Ça, j'adore. Steak tartare, je vais manger ça ce soir parce que je sais. Ah oui, j'ai dit que je faisais avec l'accent. Alors, avec l'accent, comme les éponges, je vais faire, je sais même pas, je vais faire de la steak tartare avec la sauce. J'adore. Non, il y aura plutôt une pied noire. Bon, je sais pas. Dites-moi quel accent ça fait, mais c'est n'importe quoi. Des betteraves, parce que j'adore les betteraves. Et alors, ça fait un peu italien, un peu machin, un peu, bref. Des betteraves, parce que franchement, c'est vachement bon. Hein, je vais le dire, moi. Hein. Alors, 1,15€. C'est parce que j'ai pas envie de mettre les mains dans les betteraves et d'avoir les mains toutes rouges, parce que je ne veux pas aller dans ma cuisine. Je crois que ça n'existe pas, cet accent. Et 6 bouteilles d'eau. Alors, bien sûr, je suis compliquée. Je ne peux pas boire de l'eau cristalline. C'est parce que je n'aime pas le bouchon, je ne peux pas la refermer, ça m'énerve. Et comme moi, je prends la bouteille d'eau et je mets de l'eau, je la mets du glaçon, de l'eau, je la mets au congélateur et ça devient un glaçon. Mais un gros glaçon. Je vais m'en servir quand il fait très chaud. Et du coup, je rigole de mes conneries, je ne sais même pas quel accent c'est. Et du coup, eh bien... Cette bouteille d'eau,
ça réfléchit. Alors, il y a un abruti qui a dit qu'il fallait mettre des fils de fer derrière et faire des trous. Et derrière le ventilateur, mettre la bouteille grassée. Non, mais l'eau, allô, c'est quoi ce délire? Il y avait de l'eau partout, mais n'importe quoi. Moi, j'ai mis le fil de fer, j'ai mis sur mon caddie comme ceci. Alors, le caddie, je vous dis pas, c'est un caddie que j'ai depuis très longtemps, au moins 6 ans, mais effectivement, il est vert. Comme je vous dis, j'aime le vert, c'est des cactus. À l'époque, ce n'était pas du tout la mode. Je l'ai depuis 2007. À l'époque, ce n'était pas du tout la mode des cactus. Mais voilà, alors, tout le monde le voit. Alors, ça me fait peur parce que maintenant, il est à la mode. Mais il est super pratique surtout. Regardez, je peux en mettre. Hein. Et puis, j'ai une petite poche. Attendez, je vais vous faire la leçon du caddiche. C'est le caddiche. Attendez, j'enlève là les bouteilles d'eau. Parce que je ne vais plus avoir d'ascenseur. Ils vont nous changer l'ascenseur. Super. Donc le voilà. Voilà la Berthe. La voilà. Et je vous dis que ça. Je vais tout tomber. Alors j'ai plein de hauls à faire parce que j'ai été faire les soldes. Là maintenant, ça fait un petit. Ça s'est rafraîchi. Donc c'est cool. Chez moi, il ne fait que 25. Hein. Pendant un moment, il faisait 32. Donc 25, j'estime que c'est bien. Quoi. Mais maintenant, il faut que je fasse attention parce que j'ai ouvert les fenêtres, j'ai fermé les rideaux. Et Ivy est à l'affût de tout ça, donc je fais attention. Voilà mes choubidous, sur ce... Ben dites-moi, quel est l'accent que j'ai eu? Ben je ne me rappelle pas, dis donc. Ah bon, on dirait plutôt un accent de campagne, non? De la campagne, si peut-être, hein? De la cambrousse. Bisous à tous ceux qui habitent à la campagne. Bon, sur ce, Sybille... Tais-toi, merde, je dis une baffe. Tais-toi et dis une chose. Si ma vidéo vous a plu, faites ce que vous voulez. Abonnez-vous ceux qui ne sont pas abonnés, ça me fait toujours plaisir. Et puis, plein de bisous. Bye bye, I love you, ich liebe dich. Allez, allez, qu'est-ce qu'on dit après? Vous me l'écrivez en commentaire, qu'est-ce qu'on dit après? I love you, ich liebe dich. Bye bye, ciao.